Alors, nous allons commencer dans quelques minutes. Nous attendons que les autres arrivent et nous rejoignent et on pourra commencer le cours. Alors, bonsoir Papillon, bonsoir Svetlana ou bonjour Djihad, bonsoir ou c'est Barry, je ne sais pas. Aîné, bonjour, bonsoir Makalak Ahmed, bonsoir Tanjida, bonsoir, bonjour Alina, bonsoir, bonjour Cosmina est là, Émilie est là, Marwa est là, Yulia est là, Lynn est là. Brikida, Diconest, tout le monde est là. Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer le cours, si vous voulez bien, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avant notre cours? Marc est là. Classis est là. Bonjour, Classis. Braille est là. Très bien. Prenez le temps de m'écrire une phrase, Mariam, bonjour, pour nous dire ce que vous avez fait avant le cours. Idéalement, Ice Cubes, Rachel, Joseph, idéalement, vous écrivez la phrase au passé composé. Si vous préférez, le présent est acceptable. Prenez une minute, s'il vous plaît. Bonsoir Aïcha, je vais essayer de me souvenir de vous et c'est la même chose pour vous Aïcha, écrivez une phrase pour nous dire ce que vous avez fait avant notre cours, merci. Alors, Marwa vient de commencer, elle est rapide, félicitations. Je me suis promené, félicitations avec le féminin. Alors, Tanjida nous dit, j'ai regardé la télévision, parfait. Alina, j'ai joué au Sims 4, félicitations. Lynn nous dit, je cours, est-ce que vous voulez dire dehors? Est-ce que c'est dehors que vous voulez dire? Alors, je cours, c'est le présent, très bien Lynn. Si vous le mettez au passé composé, c'est... J'ai couru, d'accord? Alors, Cémonta nous dit, j'ai pris mon petit déjeuner avant de venir au cours. C'est parfait. Classis nous dit, je finirai de faire le ménage. Oui, idéalement, Classis, puisque c'est avant le cours, c'est le passé composé. Donc, vous devriez dire, j'ai fini de faire le ménage. Brikida nous dit, j'ai cuisiné et suis resté avec ma famille. Très bien. Lynn, oui, dehors, D-E-H-O-R-S. On va y arriver, Lynn. Oui. Bonjour, Adish. Écrivez une phrase pour nous dire ce que vous avez fait avant le cours. Tetiana nous dit, je parlais... À ma fille, n'oubliez pas la préposition à. Vous pouvez aussi l'utiliser au passé composé, j'ai parlé. C'est comme vous voulez. J'ai mangé mon déjeuner, d'accord. Alors Victoria nous dit, je me promenade. Faites attention, promenade, ça n'est pas un verbe. Je me suis
promener. Faites attention, le verbe se promener est un verbe pronominal. Je me suis promené. Alors attendez, je dois regarder. Sur la terrasse, probablement. Sur la terrasse, d'accord. Ce serait mieux la préposition sur. Ensuite, Svetlana nous dit, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire. C'est vrai, Svetlana, c'est votre anniversaire. Oh, ben attendez, c'est félicitations. Alors regardez, ça devrait être quand même au passé composé. Et donc, fêter, souvenez-vous, c'est F-E, accent circonflexe, T-E. Accent aigu et normalement après ce sera bon. Lynn nous dit d'accord, très bien. Julia nous dit je suis allé au parc et j'ai fait, ouais, faites attention, ça va être au pluriel, j'ai fait des courses et oui c'est shopping. Save the best nous dit j'ai fait, waouh, j'ai fait, alors regardez la structure save the best, j'ai fait un gâteau à la cerise. Ou peut-être vous pouvez le mettre au pluriel, un gâteau O-A-U-X, cerise. Très bien, ensuite, Edgeburn nous dit, j'ai réparé mes stylos plumes. Très bien, félicitations, vous avez des stylos plumes, ça c'est sympathique. Lynn, qu'est-ce que Lynn nous dit? Alors j'ai pris le déjeuner et regardé la télévision, d'accord, pas de problème. Adish nous dit joyeuse fête de Pâques pour tout le monde, merci beaucoup. Alors attendez, je continue, ça va être difficile de voir tout le monde. Regardons la suite. Tenzin nous dit bonsoir Vincent, j'ai pris le goûter avant notre cours, très bien. Berilla nous dit j'ai cuit du pain. Aîné nous dit, je parle avec ma sœur, d'accord? On peut utiliser, Aîné, le passé composé. J'ai parlé avec ma sœur, mais c'est parfait. Deaconess nous dit, j'ai joué avec ma fille. Erin nous dit, je buvais un café avec mon mari. Oui, vous pouvez utiliser, Erin, le passé composé. J'ai bu. Donc, J'AI, le verbe avoir. Et après le participe passé, bu. J'ai bu un café avec mon mari. Mari, il n'y a pas de E à la fin. C'est le masculin. Très bien. Alors, Classis qui corrige son texte. Alors, très bien. Ce sera difficile de tout corriger. Alors, je regarderai par la suite, mais regardez l'exercice suivant. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Vous le savez. Regardez. Ce sont les préfixes et les verbes. Alors, comment est-ce que vous pourriez traduire, s'il vous plaît, ce verbe? Comment est-ce que vous le traduiriez en français? Je vous laisse une petite seconde parce que c'est normalement très très rapide. Alors, effectivement, et c'est Paolo qui est le premier. Félicitations, Paolo. Donc, nous sommes d'accord que c'est le verbe... Attendez, je vais cliquer. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. C'est le verbe « dire ». D'accord ? Donc, le verbe « dire » sera notre verbe référent. D'accord ? Et maintenant, regardez. Comment est-ce que vous pourriez traduire ce verbe-là en français ? En considérant que nous devons avoir le verbe dire et avant le verbe dire, vous aurez quelque chose. Alors faites attention, Batoul, on dit dire, pas de préposition à, d'accord, mais juste dire, et souvenez-vous, c'est D-I-R. D'accord ?
Alors faites attention, Braille pose la question, c'est pas pas parler. Alors parler, effectivement, c'est to talk, mais dans cette situation, c'était pas to talk, mais c'était to say. Faites attention, hein. Je crois que c'est Ice Cube qui était en premier, effectivement. Alors regardez, c'est « je vais cliquer » et ce sera beaucoup plus clair. Le verbe c'est « contredire », d'accord ? Et donc finalement, vous allez conjuguer ce verbe exactement comme le verbe « dire ». Faites attention Marois, c'est pas « contraire » mais c'est vraiment « contredire ». Papillon 97, ça n'est pas réfuter. L'idée est d'utiliser le verbe dire. Ce sont des verbes de la même famille, d'accord ? Malèche, ce n'est pas opposé non plus, mais c'est contredire. Allez, ça continue. Regardez le suivant. Ouais, faites attention, Victoria. Victoria, c'est contredire. Ça n'est pas avec un A, mais c'est avec un E. Alors, effectivement, vous commencez à comprendre l'idée de l'exercice. Joseph est le premier à nous donner effectivement la bonne réponse et le verbe c'est interdire. Alors Paolo, non, Paolo avait la bonne solution. Marc Marcus nous proposait défendre. Oui, mais l'idée de l'exercice, Marc Marcus, c'est d'utiliser des verbes qui sont de la même famille que dire. Prochain verbe, s'il vous plaît. Ibrahim est en retard, pas de problème Ibrahim, bienvenue, regardez, essayez de trouver la traduction de ce verbe. L'idée Ibrahim, c'est que nous allons voir des verbes qui font partie de la famille de dire, c'est-à-dire que vous aurez systématiquement dire dans ces verbes. Alors, si vous n'avez pas les accents, je comprends très bien. Idéalement, regardez ici, nous avons un bel accent aigu puisque c'est le verbe prédire. Je crois que tout le monde le trouve. Oui, Finzark, faites attention parce que prévoir, on pourrait l'accepter. Mais ici, j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir des verbes qui sont liés à dire. Faites attention, Radou, mettez bien le E final à prédire, d'accord ? Sinon, tout le monde trouve... Alors, Finzark nous propose « préfire ». Je pense que votre doigt a glissé, Finzark. Oui, voilà, il a fait la correction. Merci beaucoup, Finzark. Regardez, ça continue. Alors faites attention, dit Connest, parce que effectivement prévoir, on l'avait déjà eu avant, mais ce n'est pas de la famille dire. Hein. On a vraiment, vraiment envie ici d'avoir des verbes qui sont liés à dire.
Alors, vos réponses commencent à arriver et c'est pas mal du tout puisqu'effectivement, c'est redire. Tout le monde le trouve. N'oubliez pas de mettre effectivement le final aussi. Finzark, répéter, ça n'est pas. Alors, Brikida aussi nous propose répéter. Classis nous propose répéter. Ibrahim nous propose répéter. Mais je voudrais définitivement un verbe qui est lié à dire. Excusez-moi, hein, c'est une obsession probablement. Allez, ça continue. Alors, c'est toujours le même concept, c'est-à-dire les préfixes et les verbes. Dans ce cas-là, nous allons voir, bien sûr, un autre verbe. Comment est-ce que vous pourriez traduire ce verbe ? Alors, les choses commencent à arriver. Leila, c'est bien Finzark, ce serait pas vraiment être ici parce que c'est to be from. Hein, et donc, vous voyez que ce serait plutôt un autre verbe et je crois que tout le monde l'a trouvé. Marwa, faites attention parce que je voudrais juste le verbe venir, d'accord ? Donc, apparemment, tout le monde le trouve. Les gens qui ont mis être, ça n'est pas grave. Mais en tout cas, ce sera venir. Ibrahim aussi, c'est juste venir, d'accord ? Alors, ça va être exactement le même concept d'exercice. Donc, tous les autres verbes qui vont suivre auront un préfixe et le verbe venir. D'accord ? Regardons le premier verbe. Donc, ça, c'était venir. Le premier verbe que je voudrais avoir, c'est la traduction de ça. Alors, je crois qu'Ice Cube, c'est la première à nous donner effectivement la bonne réponse. C'est très bien, le verbe c'est convenir, effectivement. Finzark, non, ça n'est pas devenir, mais c'est convenir. Hein, vous voyez ici, et donc, le verbe convenir va se conjuguer de la même façon que le verbe venir. Alina qui pleure et qui dit je ne sais pas. C'est pas grave Alina, parce que l'avantage c'est que maintenant vous le savez. Okay, prenez des notes, hein, notez le verbe et comme ça vous pourrez l'apprendre. Faites une catégorie avec tous les verbes qui sont de la famille de venir. Ça pourrait être bien. Victoria c'est bien, Radou parfait, Ibrahim très très bien, Tatiana pas de problème, Brikida, Budgeese, Deaconest, Erin aussi, Omar, Braille, tout le monde le trouve, c'est formidable. Regardez maintenant le prochain.
Alors, je crois que là, effectivement, c'était un cadeau parce que la plupart d'entre vous a trouvé, effectivement, regardez, devenir Finzark. Faites attention, c'est avec un V hein, et pas un C. Devenir. Très bien, je vois que tout le monde trouve le bon verbe et donc là, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment des étudiants parfaits, je dois dire. Allez, regardez celui-là. On va essayer de voir si vous le trouvez. Alors, je vois que c'est clair pour la plupart d'entre vous. Faites attention, Rory, c'est pas vraiment revenir, mais c'est intervenir, d'accord ? Classis, ça n'est pas agir non plus. Alors, effectivement, ce serait une traduction, mais l'idée, c'est d'avoir un verbe classis qui est vraiment relié à venir. La même chose pour Pumero 33, ça n'est pas vraiment agir. Ou Brigida, qui nous propose passer à l'action. Tout ça, c'est correct, mais idéalement, ça devrait être connecté à venir. Alors, regardons le suivant. Ah, Nelson est parmi nous, ça fait plaisir de vous voir, Nelson, bienvenue. Malèche nous dit qu'effectivement, intervenir est tellement proche. Pourquoi je l'oublie ? C'est comme ça, malheureusement, Malèche. Ne vous inquiétez pas. Il faut persévérer et ça va marcher. Alors, vos premières réponses arrivent et effectivement, tout le monde avait trouvé, je pense, prévenir. Alors, faites attention à l'accent. Si vous avez l'accent sur votre clavier, vous devriez mettre l'accent aigu sur le premier E. Voilà, Alina avait l'accent, c'est bien. D'autres personnages, Jade avait l'accent, Diconès avait l'accent, c'est bien. Alors, si vous n'avez pas l'accent, pas de problème, d'accord. Mais l'accent devrait être là quand vous allez l'écrire. Malèche, faites attention, il y a un E qui manque après votre V. Regardons le verbe suivant. Alors, apparemment, Alina a un doute, mais non, c'est parfait, Alina, pas de problème. Finzark, faites attention, c'est un N, revenir. Finzark propose à chaque fois une nouvelle orthographe du verbe venir. Classis nous propose retourner. Faites attention avec retourner, parce que l'idée, c'est vraiment revenir ici. Alors, attendez, ensuite, je ne sais pas, je suis très nul en anglais, sauf quelques mots qui sont proches de la langue française. Ah, d'accord. Alors, c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est d'aller plus rapidement en passant par une autre langue, et c'est par l'anglais, effectivement. Mais c'est pas grave, essayez. Et comme ça, vous pouvez apprendre les deux en même temps. Hein. Vous travaillez sur le français
et sur l'anglais en même temps. Classis avait effectivement corrigé. C'est bien, Batoul, c'est bien, Radou, c'est parfait. Ibrahim, pas vraiment retourné, mais plutôt revenir. Et Nelson, eh ben, c'est très très bien, Nelson. Félicitations, on continue. Alors, je vois que là, tout le monde est presque d'accord, mais pour l'instant, seulement Julia nous a proposé effectivement la forme correcte. N'oubliez pas le « se », parce qu'effectivement, c'est un verbe qui est un verbe pronominal, et donc c'est « se ». Brigida nous propose « rappelle-toi ». Alors, la forme « rappelle-toi »,« souviens-toi ». Oui, oui, oui. Idéalement, vous allez, on va utiliser le verbe « souvenir hein. ». Brigida, là, l'idée c'était de trouver quelque chose qui était connecté à venir, et donc c'est souvenir, mais se souvenir. N'oubliez pas le se, hein. Je me souviens, tu te souviens, il se souvient, elle se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils se souviennent, elles se souviennent. C'est comme ça que ça marche. Donc, pas de problème. J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Après, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ouais, la forme « se souvenir ». On continue. Alors Rory, non, ça n'existe même pas sans le se. Hein. Donc il faut vraiment mettre le se, Rory. C'est nécessaire. Faites attention parce que là effectivement hein, l'idée c'est pas vraiment remplir, parce que remplir c'est pas lié ou vraiment connecté à venir, mais c'est subvenir. Voilà, subvenir c'était le verbe qu'il fallait trouver. Pour l'instant, il y a uniquement quelques personnes qui l'ont trouvé. Finzark l'a oublié, c'est pas grave. Leila nous propose accomplir, et c'est pas vraiment accomplir en fait, c'est subvenir. Certaines personnes proposent remplir, et c'est une bonne proposition, mais en fait, remplir ne pourrait pas correspondre à la deuxième traduction. Donc faites attention, c'est véritablement le verbe subvenir. Je subviens, tu subviens, il subvient, elle subvient. Nous subvenons, vous subvenez, ils subviennent, elles subviennent. Voilà, c'est comme ça qu'on le conjugue. Et encore un verbe, et je pense que ce sera bientôt terminé après avec cette catégorie-là. Thank you.
je vois qu'il y a plusieurs propositions. Je vais vous laisser continuer encore un petit peu. Alors, regardons ensemble et c'est survenir. Rory nous a proposé un verbe qui n'existe pas encore. C'est sympathique, Rory. Contactons l'Académie française et proposons ce nouveau verbe. Alors, faites attention, Ice Cubes propose avenir, mais en fait, non. Avenir, c'est un substantif, c'est un mot. Mais ça n'est pas un verbe. Survenir, Nelson l'avait trouvé. Victoria avait un doute pour survenir, mais Victoria, c'est correct. Félicitations, Victoria. Deaconess a proposé se trouver, mais en fait, Deaconess, l'idée, hein, c'est d'utiliser quelque chose qui est lié à venir, et donc c'est survenir. Faites attention, Radou, ça n'est pas subvenir, mais c'est survenir ici. Très bien, Joseph nous dit, je ne sais pas, désolé. Alors, très bien, alors Félix, je ne sais pas, Félix n'est peut-être pas très heureux, mais ne vous inquiétez pas, Félix. Vous aurez des petits mots et des grands mots, et vous aurez la possibilité, Félix, d'écrire une belle phrase. Et je crois que Félix, vous pourrez nous impressionner avec vos talents, avec cet exercice, puisque maintenant vous le savez, vous avez la possibilité d'écrire une phrase. Et s'il vous plaît, dites-moi, que se disent-ils ? Imaginez ce qu'ils se disent, une phrase ou deux, et vous postez, et je corrigerai après. Merci. Alors, Radou, l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous pourrez la regarder après et éventuellement voir les mots que vous n'aurez pas compris et prendre le temps de tout noter, d'accord ? Alors, H-Bird nous dit, ils disent, à la recherche du temps perdu. Très bien, H-Bird, je vois que vous aimez la littérature française. Alors, Bud Guide nous dit, alors tu vas bien, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, c'est parfait, pas d'erreur. Très bien, continuez s'il vous plaît. Alors, Julia nous dit, as-tu lu ce livre ? Alors, faites attention pour le pronom, non, je ne le ai, mais le E va disparaître. Je ne l'ai pas lu. Très bien. Derek nous dit, bonjour. Bonjour Derek, écrivez une phrase pour répondre à cette question. Que se disent-ils ? Rory, j'oublie quoi ? Le mot pour la femme est très joli. Et vous connaissez, la femme dit, alors là, la femme dit, pardon, oui, c'est mon, pardon, j'ai pas compris, c'est mon et mon nom. Alors Marois nous dit, ils se disent qu'ils doivent trouver une solution. Très bien, Bud Guise, tu es libre ce soir pour aller au cinéma. Tout est bien, bien écrit. Félicitations, Classis. Non, je ne sais pas non plus. Très bien. Joseph, il... Faites attention, Joseph. Le verbe discuter, en fait, n'est pas un verbe pronominal. Donc, ils discutent de ce qu'ils ont mangé après le travail. Faites attention. Hein. Ils discutent de ce qu'ils... Peut-être le futur,
ils discutent de ce qu'ils vont manger après le travail. Victoria nous dit « J'ai beaucoup de travail ». Attention Victoria, travail juste A-I-L, d'accord ? Sinon c'est le verbe. Brigitta, ils lisent des livres, effectivement. Ibrahim nous dit « Donne-moi de l'argent pour acheter une robe avec un E pour la soirée ». Très bien. Svetlana nous dit « Sais-tu ce mot dans… » Ouais, faites attention, on va plutôt utiliser le verbe « connaître ».« Connais-tu ce mot dans ce livre ?» Ensuite, Finzark, ils me disent qu'il y a beaucoup de fantômes. Je suis choqué. Mais c'est normal, Finzark, il y a des fantômes partout. Et vous le savez, Malèche disent qu'ils regardent un livre. Faites attention, Malèche masculin, livre, un livre, d'accord. Ensuite, H-Bird nous dit... Ah oui, d'accord. Ah, dans vos rêves, vous avez lu Proust. Peut-être que c'est mieux. Alina nous dit, ils disent, il y a beaucoup de fautes dans notre rapport. Ice Cube, il dit, j'ai besoin de copier ce projet masculin. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Est-ce que tu peux le faire pour moi? P-E-U-X, Ice Cubes. Rindra, ils se disent que puis-je faire... Ah, que puis-je faire pour toi? Tu peux m'aider à finir mes devoirs avec un S. D'accord? Deaconess, elle dit la facture, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, P-L-A-I-T, Deaconess. Tatiana, ils se disent que le livre est très intéressant. Faites attention, Tatiana, le livre c'est masculin, donc l'adjectif intéressant, pas de E final. Intéressant, juste le T. Budgies, ils se disent cette photo. Oui, alors cette photocopieuse ne marche pas, quel dommage, c'est très bien. Berilla, il parle d'un livre qu'elle a écrit, elle a un peu peur de ce qu'il va penser. Toujours difficile hein, d'entendre les critiques. Alors, I just called, bonsoir, ils travaillent ensemble, ensemble, E-N-S-E-M, sur le projet de fin d'études. Fin d'études, attention, I just called, c'est l'autre accent et l'accent aigu. Ensuite, Radouz, ils se disent qu'ils vont sortir ensemble ce soir, très bien. Nelson, ils discutent, D-I-S-C-U-T-E-N-T. Et ils discutent de quelque chose, donc vous allez combiner avec le, ils discutent du problème, Nelson. Ensuite, Lizareth nous dit, tu devrais essayer cette application. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Félicitations, nous continuons. Alors, attendez, si j'y arrive. Ah ben, vous voyez, ça c'est moi, c'était une vidéo finalement. L'exercice suivant, et regardez l'exercice suivant, c'est les phrases, donc c'est les classiques. S'il vous plaît, cherchez le mot qui manque. Abir nous a rejoint et Abir nous écrit « Oh, cet appareil !» Faites attention, c'est un appareil. Donc l'adjectif « C-E-T »« Cet appareil ne marche pas. » Et la femme dit, la femme répond « Pas de problème, juste le redémarre. » Ouais, vous commencez avec le verbe « Redémarre le juste. » Alors, je crois que Yulia avait... Ah non, 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 d'accord. Elle se souvient des instructions. Alors, Ibrahim, Alina et Brigitta, Rachel, souvenez-vous, idéalement, vous écrivez les phrases, d'accord ? C'est une technique, vous allez voir, très efficace pour apprendre et mémoriser beaucoup de choses, d'accord ? Donc, effectivement, le mot que nous cherchions, c'était... luge. Regardons la phrase suivante. «
Faites attention, Nelson, pour votre phrase, hein, c'est on peut faire de la luge. Hein. Ça n'est pas nécessaire de remettre votre article une après. Hein. De la luge, c'est suffisant. Alors, Joseph nous dit, je ne sais pas, mon vocabulaire en français est très petit, dommage. C'est pas grave, Joseph, regardez, vous allez apprendre de nouveaux mots. Alors là, tout le monde propose écharpe. Écharpe, je l'accepte. Sergio propose ce que j'attendais. Brigitta, c'est pareil. Vous pouvez dire foulard, qui est masculin, ou vous pouvez dire écharpe, qui est féminin. D'accord ? Donc, une écharpe ou un foulard. Alors faites attention, Classis, si vous écrivez écharpe, qui est tout à fait acceptable, c'est uniquement E accent aigu, pas de S et CH, d'accord ? Onissime nous propose scarf. Scarf n'existe pas, c'est soit une écharpe ou un foulard. Et Diconest, souvenez-vous, la écharpe, vous devez retirer votre A et mettre l'apostrophe, l'écharpe. Alors, Abir a déjà commencé. Abir ne veut pas réécrire la phrase. C'est son choix. Le mot est correct en tout cas, puisqu'effectivement, nous cherchions le mot aussi. Elle a aussi acheté un lit. Effectivement, je crois que tout le monde l'a trouvé. C'était aussi pour vous montrer que c'est un adverbe et il est juste après avoir ici, même si c'est une forme de passé composé du verbe acheter. Et voici la phrase suivante. Tetiana nous proposait également, oui, c'était une possibilité, hein, également, Tetiana, hein, bon, c'est synonyme, hein, aussi ou également, c'est tout à fait correct. Et effectivement, là c'était le verbe vouloir. Le verbe vouloir, la forme c'est vous, et donc c'est le présent. Et tout le monde a trouvé vous voulez, c'est bien. Je regarde vos réponses, c'est parfait. N'oubliez pas les accents quand vous réécrivez la phrase, si c'est possible, bien sûr. Marois qui nous dit juste, effectivement, voulez. Antonio, pas vraiment voudrait, parce qu'ici c'est vraiment le présent de l'indicatif, Antonio, c'est pas le conditionnel, hein. On aurait mis quelque chose d'autre. Brigida est bien, Tenzin, pas de problème. Je crois que tout le monde a trouvé, apparemment tout va bien. Classis, ça va, Tatiana aussi. Très bien, continuons s'il vous plaît avec cette phrase. Thank you.
Alors, Christiane vient d'arriver. Bienvenue, Christiane. Pas de problème. Regardez, l'exercice est simple. Vous voyez une phrase en anglais. Vous voyez une phrase en français. Il manque un mot. Écrivez la phrase complète en français avec le mot. Merci. Alors voilà, effectivement, vous avez compris, vous savez que j'aime beaucoup les pronoms et ici on voulait trouver le pronom en. Nous en voudrions de. Très bien, n'oubliez pas de mettre la quantité après parce que l'idée là c'était de définir la quantité. Nous en voudrions deux. Et c'est parfait, tout le monde va bien. Quelqu'un nous met des petites icônes sympathiques avec un cœur, des singes, une étoile. Merci beaucoup. Vous remarquerez que l'ambiance est bonne et nous continuons. Alors, Finzark, faites attention quand vous dites « j'en voudrais hein, ». Ici, c'était plutôt une autre forme. Hein. Alors, Edith Hernandez a complètement changé le verbe, si vous voulez. Mais idéalement, Edith, c'était le pronom « en », d'accord ? Alors, regardons maintenant. Je crois que tout le monde est d'accord. Effectivement, nous étions à la recherche de « maintenant ». Souvenez-vous, on ne prononce pas vraiment le « e »,« maintenant ». D'accord, et donc effectivement la question c'est, elle peut partir maintenant ? Cosmina avait un doute, mais non, Cosmina, c'est correct, c'était « elle peut partir maintenant ». Tétiana nous proposait à ce moment-ci, oui, mais l'idée c'était juste d'avoir un seul mot, et maintenant, c'est juste un mot qui est beaucoup plus facile et simple à utiliser. Victoria, attention, maintenant avec un « t ». Alors, Julia, faites attention, vraiment, on l'écrit comme ça, regardez, V-R-A-I-M-E-N-T. Donc là, apparemment, tout le monde a trouvé, hein, Save the Best, c'est bon, Rory, pas de problème, c'est Monta, c'est bien, Finzark, pas de problème, pour Mina, c'est parfait, Classis, oui, qui propose bien. Hein, on va rester sur vraiment, si vous voulez bien. Classis, Joseph, vraiment. Abir, c'est parfait. Alina, c'est très bien. Berilla, faites attention, Berilla, je veux V-E-U-X. D'accord ? Nelson, c'est très bien. Tenzin, ça va. Christiane, voilà, Christiane, dans le rythme, c'est parfait. Luciano, très bien. Brigida, parfait. Edith, aussi. Malesh, c'est bien. Et Rindra, c'est attention, Rindra, je veux vraiment savoir. D'accord, Edith, c'est très bien. On continue avec la prochaine.
Alors, Cécile Sakura, bonjour. Participez au cours, s'il vous plaît, c'est sympathique. Alors là, je vois qu'effectivement, il y a des hésitations, n'est-ce pas? Regardez. Et donc, effectivement, l'expression hein, chez moi, et donc on dit je n'avais pas de chez moi. On utilise rarement maison. Faites attention avec ça, mais en général, on va utiliser chez moi. Tenzin nous propose je n'avais pas de maison. D'accord, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre maison si à la fin vous mettez moi. D'accord? Donc Rachel nous propose maison, mais idéalement ici, c'est la phrase je n'avais pas de chez moi. Alors, Marwa et Cosmina viennent de répondre. Et effectivement, nous sommes d'accord que nous étions à la recherche de « que ». Tu sais que, Tatiana, faites attention, « qui », c'est une erreur classique. D'accord ? Donc, tu sais que. Victoria, c'est la même chose. Alors, tu sais où je dois partir, mais ici, vraiment, c'est introduire le « tu sais que ». Que je dois partir, d'accord? Une petite nuance, regardons, d'accord. Donc Jaouid répondait pour la chose précédente. Svetlana, c'est bon. Ibrahim, c'est parfait. Dikonest, ça va. Abir, alors partir, corrige sa phrase, d'accord? Rindra, faites attention, Rindra, c'est tu sais que. Tu sais que je dois partir. Rory qui dit « Oh, c'est dommage, c'est pas grave, Rory. » C'est la prochaine phrase, Rory. Tenzin, tu sais que je dois partir. Très bien. Edith, c'est bien. Faites attention, Finzark, parce que si vous dites « vous », c'est « savez hein ». Si vous voulez changer le sujet, il faut changer le verbe avec. Tatiana a corrigé, c'est très bien. Malèche qui dit « je ne sais pas ». C'est pas grave, Malèche, c'est que... Ouais, d'accord. Il répète que. Très bien, Elena nous dit que, et c'est parfait. Ensuite, Jawid, c'est très bien. Et Cécile, venez chez moi. Non. mais prenez des libertés, soyons foufous. Regardez, c'est la prochaine, on y va. Alors effectivement, ça commence à arriver, tout le monde je pense le trouve parce que c'est assez proche de l'anglais, donc c'est un cadeau. Souvenez-vous qu'ici on a une phrase intéressante parce qu'on a le verbe savoir et le verbe savoir, comme vous le voyez, il est au conditionnel présent. Je ne serai pas où, saurai pas où exactement, je regarde vos réponses, tout le monde l'a trouvé, ouais.
Très bien. Si vous prenez le temps d'écrire les phrases, comme je vous dis, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Habir, faites attention, je ne saurais pas PAS. Très bien. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me dit merci pour ma leçon, mais je vous en prie, c'est mon plaisir. Cliquez sur le like si vous appréciez mon travail. C'est votre façon de me remercier. Victoria nous dit, je ne sais pas où vas-tu? Oui. Alors là, idéalement, Victoria, c'était juste l'adverbe exactement. D'accord? C'était plus simple. Vous avez cherché la perfection et la complication. Je crois que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Alors, Cécile Sakura le sait, et ça, c'est très bien de le savoir. Je vous félicite, Cécile. Vous aurez un bon point, comme on dit. Très bien. Deaconess le sait. Elena, je ne saurais pas où exactement. C'est parfait. Deaconess, attention avec l'accent sur le U, c'est dans l'autre sens. Hein. Très bien. Alors, regardez. Le stream a commencé il y a 57 minutes. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite pause. Normalement, je voulais juste faire 60 minutes, mais on fait une pause, quelques minutes, et je recommence un nouveau stream pour une séance de 60 minutes d'exercice. D'accord ? Donc si vous voulez continuer, on va s'arrêter quelques minutes. Je vais respirer un petit peu parce que c'est du travail. Et nous continuons juste après. D'accord ? À tout à l'heure si vous voulez.